Pau, 16e, affronte Sochaux, 17e. Deux équipes en quête d'une victoire cette saison. Les Palois restent sur deux nuls d'affilée face à Dijon et au Havre. Didier Tolo espère avoir une montée en puissance de ses hommes pour s'imposer de nouveau au Noustecamp, chose qui n'a pas été faite lors des quatre dernières réceptions. Deux nuls et deux défaites. Pour Sochaux, le bilan est encore moins bon. Un nul face au PFC, puis deux revers à Grenoble et contre Amiens. Les hommes d'Olivier Guégan n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets en trois matchs. Est difficile dans ces conditions d'espérer mieux. Et faute de marquer, il faut surtout bien défendre parce qu'il y a des espaces pour les Palois en début de rencontre. Et ça n'est pas converti. De la réussite pour l'arrière-garde Doubiste et pour Maxence Prévost sur cette première opportunité de Yatara. Derrière, les Lionceaux vont réagir avec Doumbia. Le ballon de Doumbia pour Gaëtan Vesbeck. 33e minute, ça fait 1-0 pour Sochaux. Et donc le premier but de la saison pour les hommes d'Olivier Guégan. Le bon travail de l'ancien Rémois Doumbia et le capitaine Gaëtan Vesbeck qui croise sa frappe hors de portée d'Alexandre Liro. Pau qui a affronté 4 fois Sochaux depuis qu'il évolue en Ligue 2 BKT. Jamais les Palois ne se sont imposés. 2 nuls et 2 défaites. 1-0 à la pause pour les Sochaliens qui ont pris seulement 1 point en 3 matchs jusqu'alors. C'est le plus faible total du club depuis qu'il évolue en Ligue 2 BKT. Là pour l'instant, les Doubistes ont fait le plus dur en marquant le premier but. Il y a une certaine maîtrise du ballon et de la vivacité avec Doumbia. Une erreur défensive et le but du 2-0 à la 74e minute signé Ibrahim Sissoko, recrue estivale en provenance de Niort. Le Malien débloque son compteur avec les Lionceaux. C'est un but 100% malien entre Moussa Doumbia et Ibrahim Sissoko. Ibrahim Sissoko sorti du banc à l'heure de jeu, tout comme Maxime Teixeira d'Okuto. Et c'est Maxime Teixeira d'Okuto justement qui va clore la marque à 3-0, bien servi par Gaëtan Vesbeck. Et la démonstration des Sochaliens qui ont su faire le dos rond en début de rencontre et être réalistes sur leurs premières opportunités. Ce sera le score final. Sochaux débloque son compteur but et victoire ce soir face à des Palois sans succès à domicile depuis 5 rencontres en Ligue 2 BKT. Une première dans l'histoire du club. Sochaux est 13e, Pau 18e.